Welcome to the press conference of the match between France and Algeria at the main round, Group 3. Now we have the head coach, Mr. Alan Pogt, and player number 44, Mustafa Haj Sadouk. We'd like to start with Mr. Alan's impressions about the game. Je vais parler en français. Yes, sure. D'abord, je dois féliciter l'équipe de France qui a gagné un match dans lequel elle était en difficulté. Et en fin de match, elle a eu les ressources pour aller chercher la victoire. At the first, I want to congratulate the French national team. And at the end of the match, they had the resources to go for the victory. Je veux aussi féliciter mes joueurs qui ont fait un grand match ce soir. Ils n'ont pas tout réussi. Ils ont parfois fait des erreurs un peu stupides. Mais globalement, ils ont fait un match qui me rend fier de les entraîner et très heureux d'être avec eux parce qu'au niveau combativité et au niveau écoute pour poser des problèmes tactiques à la France, ils ont été formidables. At the first, I want to congratulate my players. They did a good match and they went for the victory, but at the end they made some stupid mistakes that led us to the defeat, and they proven that, and he's proud for being the coach of this national team and proven his tactics. Okay, thank you. What about Mustafa? What do you think about the game? Assalamu alaikum. مباراة اليوم احنا كنا عارفين انه راح تكون صعبه علينا ضد المنتخب الفرنسي وعلى بالنا انه المستوى راح يرتفع من دور المجموعات للدور الرئيسي. نهنئهم على الفوز تاعهم اللي كان صعيب كثير علينا وحنا يعني المنتخب الجزائري قدمنا اداء جيد وما حالفناش الحظ كما قال المدرب في بعض الاحيان ارتكبنا اخطاء والحمد لله يعني على الاداء. He was proud with the performance of the Algerian national team, and they did a good match. And the defeat was acceptable because the French national team is a very tough team, and they did their best to achieve the win. Okay, thank you. Do you have any questions? Okay, thank you. Thank you. Thank you. France head coach Mr. Guillaume Gué and player number 28 Valentine Pogt. We'd like to start with Mr. Guillaume and his impressions about the game. Good evening. My impression is not so good today because we played a very difficult game and we didn't find our level. It was naturally because of the good match from the Algerian team, but also because we didn't manage to play a good handball, and that's why I'm a little bit disappointed about the performance today. Okay, thank you. What about you, Valentin? Yes. Tu traduiras. Ben un peu pareil que Guillaume, beaucoup de stress dans ce match. Je m'en veux et je nous en veux, c'est parce que le début de match est catastrophique. Et on sait très bien que dans ce sport, l'équipe qui démarre le match a pour mission d'imposer le rythme et le tempo et le ton du match.
I think today we start the first team. He start not good, and he need time to go inside this match. But normally, it's like we said, the coach Algeri is a good, very good team, and the French team is he takes more time to go inside the game. Et voilà. Après, nous avons réussi, comme pour le match de la Suisse, à retrouver des couleurs, à repasser devant. Et je salue évidemment la victoire et le fait que ça soit notre quatrième de suite. On continue d'avancer dans la compétition, mais je suis persuadé qu'il va falloir faire beaucoup, beaucoup mieux pour la suite. Je pense qu'après 4 matchs, après la victoire contre la Switzerland et aujourd'hui contre l'Algérie, je pense que le French team est going to be best after this match. Okay, thank you. Do you have any questions? Yes. Thank you. To coach.